Coup, ben, généralement, je pensais avoir filmé, mais ça n'a pas filmé, alors je recommence. J'ai reçu une box aujourd'hui qui a voyagé un peu parce que c'était pas le bon arrondissement. J'ai reçu, elle était un peu cabossée hein, la boîte, mais bon, c'est pas grave. J'ai ouvert et j'ai reçu Mademoiselle Madeleine. Que c'est la deuxième fois que je la commande parce que j'ai bien aimé la première avec son petit nœud. Cette fois-ci, il n'y a pas de paillettes. C'est typique, c'est des petits sacs comme ça argentés. Alors, dedans, il y a quoi? Il y a un petit machin avec des plumes. Voilà, vous voyez, plume pétrole. Je crois que c'est un étui. Ouais, c'est un étui pour mettre ses lunettes, ça tombe bien. J'ai cassé le mien, donc je mettrai mes lunettes là-dedans. Par les plumes, c'est peut-être un peu fragile. Il y a des petites étoiles derrière, c'est super mignon. Voilà. C'est le petit étui à lunettes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a S'envoler de plaisir du 16 au 15 mai, 10% de réduction sur la boutique de Mademoiselle Madeleine. Il y a une boîte à bonbons avec des cerises et il y a des papillons dessus et des oiseaux. Ils sont super bons, hein, j'en ai eu en échantillon lors d'une commande. Avec un petit oiseau qui dit mange-moi. C'est super mignon. Ah, je n'arrive même pas à les manger, hein. C'est tellement beau, mais bon, je vais les manger, je suis trop gourmande. À la cerise. Hop! Qu'est-ce qu'il y a donc? Un petit sachet. Excusez-moi, je l'ai déjà ouvert parce que je pensais que ça allait filmer. Je vais vous remontrer alors. Des boucles d'oreilles. Avec une petite lune devant en plume. De la marque Maxime Thomas France. Et derrière, il y a un petit capuchon de sécurité pour pas qu'elle glisse. Tiens, je vais échanger tiens, pour cet été. Les plumes noires avec des petits points blancs. Elles sont super mignonnes. Là. Voilà. C'est quoi ça? Tatouage temporaire, voilà, ces petits tatouages. Moi j'en ai un vrai, j'ai jamais utilisé des tatouages temporaires. Je vais essayer voir si ça fonctionne. Tient entre 2 et 5 jours. C'est des petits oiseaux. Il y en a deux. Deux, ouais. Voilà. Je prends le panier. Et il y a là un petit mot de la vendeuse qui se trouve à Nîmes. D'ailleurs, elle a une boutique. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Voilà. Et c'est une dame qui tient un rêve indien. Je crois que c'est un truc qui porte bonheur pour le rêve indien. Et avec une envolée d'oiseaux. Porte-bonheur indien, je crois. Pour les rêves. Et elle nous dit, en mai, je fais ce qui me plaît. Ben, j'aimerais bien, mais le temps n'est pas beau. Ah oui, alors ce mois-ci, j'ai décidé d'être un oiseau pour m'envoler et vivre la liberté. Je me prépare pour une belle balade. Sur ma peau, je me tatoue une jolie envolée éphémère DCER, DCR, je sais pas comment vous dites. C'est DCER. À mes oreilles, une paire de boucles d'oreilles avec de belles plumes de la créatrice Maxime Thomas. Le soleil pointe le bout de son nez. Vite, je sors mes lunettes de soleil de leur étui. Top tendance de chez Petronil, mais jolie d'ailleurs. Je craque littéralement et comme tout le monde sait, je suis une grande gourmande. Quelques bonbons saveur cerise de Mademoiselle Rose dans ma poche et me voilà partie. Emportée par ce vent de liberté, je m'allonge dans un champ de cerisiers. Je laisse mon esprit s'évader. Le temps d'une petite sieste, laissez-moi rêver. Et voilà, c'était le petit mot de la créatrice, c'est très sympa. Je crois que c'est la seule box que je vais garder de toutes parce que le maquillage, il faut que je fasse un tri. J'utilise pas tout moi en une seule fois. Et voilà, j'ai reçu, c'est ma deuxième commande. J'avais reçu aussi celle d'avant qui était très sympa, très, très printanière.
Je vais me décider, mais je crois que c'est celle-ci si je dois la garder. Si je dois en garder qu'une, hein, parce que le maquillage, j'en ai ras-le-bol. Ben voilà, j'ai essayé de faire une petite photo, mais je vous fais un bisou.